Salutations, ladies and gentlemen, on se retrouve pour un épisode toujours hardcore, toujours sans dormir. Et pourquoi suis-je au mouton? Eh bien parce que le progrès que je vise en ce moment, c'est celui-ci. Après, je vous montre. C'est celui-ci, voilà, et il me manque mouton cru, mouton cuit. C'est quoi? C'est avoir un stack complet de toutes les nourritures. Alors, il manque aussi poisson globe, les poissons tropicales. Mais justement, on va aller vous montrer ce que j'ai mis en œuvre pour ça. Là, on a nos gentils petits moutons que je reproduis en masse. Parce que je crois que j'ai déjà 48 moutons crus. J'ai plus de blé. Donc j'essaye tant bien que mal de reproduire vite tous les moutons. Est-ce qu'il me reste un peu de blé là? Ouais, on va utiliser le blé des vaches. Hop. Pour reproduire un peu les moutons. Voilà, c'est le. Tous ces moutons-là sont voués au sacrifice. C'est pas le l'agneau de je sais plus quel de Pentecôte, un truc comme ça. Non, c'est le veau. Oh, je sais plus. On s'en fout. Il me faut du blé. Il va me falloir du blé. Donc, qui dit blé dit des graines. Ah, j'ai déjà sacrifié toutes mes graines, zut. C'était pas malin, ça, d'avoir sacrifié toutes les graines et de les avoir transformées en. quelle idée. Eh ben, tant pis. On va utiliser les neufs là déjà. Pour se refaire des graines. Hop. Voilà, ah ben ça va aller vite. Hein. 9, c'est vite. Utilisé. On va te mettre quoi? Toi, tu manques un peu de carottes. Donc on va te mettre des carottes en complément. Ici. Pouf. Oh, ah non, je veux pas manger. Je ne veux pas manger parce qu'il y a un autre progrès que je fais en même temps. Donc on fait attention à ce progrès là. Ah oui, j'avais mis plein de patates parce que je voulais les patates empoisonnées. Parce que ça aussi, il m'en faut 64. Mais alors, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Ah là là, les progrès à la... Hein. C'est vraiment les progrès longs, là. Ah, mais j'en ai quand même eu 3, là. C'est assez rentable. Sur l'ensemble, on a quand même... Si j'en ai 3 par récolte, il faut que je passe plus souvent. 3 fois 20... Ouais, 20 passages et j'aurai... Ah bah, mince, il manque encore une patate. Hop, et j'avais fait des betteraves parce qu'il me fallait aussi il me fallait aussi plein de betteraves pour arriver à 64. Mais ça, je crois que je l'ai déjà fait grâce à Shira qui en avait accumulé de son côté. Donc voilà, c'est moins urgent, mais bon, voilà, c'est pas grave. Alors, ce qui va me manquer, donc, c'est des poissons globes et des poissons tropicaux aussi. Pour le coup, on va aller voir tout de suite ce que j'ai mis en œuvre, ce que j'évoquais hier, à savoir. Une usine à pêche AFK, vous inquiétez pas, elle est déjà en place et je vous montrerai pas comment on l'a fait, parce que vous avez juste à taper usine à pêche AFK sur YouTube, et même en mettant 1.15, 1.16, 1.14, peu importe, vous allez voir, vous trouverez ce modèle plein de fois. Alors par contre, j'arrête pas de courir ici volontairement, parce que regardez, les gâteaux ont bien baissé, et oui, il n'en reste plus beaucoup, on continue à manger du gâteau dès qu'on passe. Je suis assez content là, parce que du coup, on est à plus de... On va regarder, tiens, hop, option... Option, statistique, non, c'est pas là que je voulais aller, c'était dans statistique, voilà. Donc, part de gâteau mangé, je suis à 62, 62 sur 100. On en voit le début de la fin, si je puis dire. 672 progrès aussi, hein, je ne sais plus lesquels c'était, mais voilà, vous suivez mieux que moi les progrès que je fais. Voilà, donc j'ai mis ici, là où j'avais une petite sortie pour aller pêcher, il faudrait que j'en fasse une d'ailleurs, parce que c'est un peu embêtant là d'être enfermé, ce qu'on appelle une usine à pêche. Alors l'idéal est d'avoir une canne à pêche comme celle-ci, hein, que je suis allé chercher, la raccommodage, hein, parce qu'à chaque fois que vous pêchez, vous gagnez de l'expérience, donc ça auto-répare votre canne à pêche. Le principe est relativement simple, vous vous mettez ici, vous visez ici dans la partie inférieure de la plaque de métal, voilà, ça ouvre et vise le bloc-notes qui est juste derrière. Là, vous maintenez le clic droit enfoncé, et pour qu'il reste enfoncé tout le temps, vous faites F3 plus T, voilà, il se passe un rechargement de ressources pack. Vous pouvez là lâcher votre bouton, tout simplement. Voilà, on va attendre 3 secondes, parce que ça prend des fois un petit peu de temps. Et vous voyez, en fait, là, je ne touche plus ma souris, enfin, vous voyez pas, mais je vous garantis, je ne touche plus la souris, mais ça maintient le clic droit enfoncé parce que j'ai fait F3 plus T, voilà, tout simplement. Et quand j'en ai marre de pêcher comme ça en mode automatique, alors, faut savoir que je suis resté quasiment toute la journée après l'épisode d'hier, je suis resté presque 24 heures, en fait, à AFK, enfin, au moins 12 heures, je pense, parce que j'ai dormi quand même. Et que l'ordinateur étant dans ma chambre, j'ai coupé. Mais voilà, je suis resté vraiment très longtemps. Et quand on en a marre, on reprend la souris, on fait clic droit et c'est bon. Et qu'est-ce que ça donne autant de temps à pêcher? Et ben, ça donne un coffre, un double coffre plein de
cochonneries diverses et variées. Alors il n'y a plus les livres enchantés et compagnie, puisque là il n'y a pas les conditions pour les, ce qu'on appelle les pêches rares, les pêches exceptionnelles, livres enchantés, objets enchantés, arcs ou cannes à pêche. Mais par contre, vous pouvez avoir plein de poissons et vous pouvez avoir aussi tout ce qu'on peut pêcher d'inutile dans la mer. Mais bon, c'est un moyen d'avoir quand même 14 cuirs, comme vous pouvez le voir, des bols, voilà, des os, des bottes en cuir, en voulez-vous, en voilà. Et surtout plein de poissons qu'on va pouvoir les mettre à cuire d'ailleurs. Et surtout, eh bien, on va pouvoir récupérer 64 poissons globes. Et du coup, nos 64 poissons clowns aussi, ce qui fait que du coup, voilà, on a fait un petit progrès au passage. On est maître poissonnier puisqu'on a obtenu 64 de chaque poisson. Et qu'on a du coup, en plus de ce progrès-là, avancé celui-ci. Comme vous pouvez le voir, maintenant il ne manque plus que mouton cru et mouton cuit, donc ça devrait aller relativement vite, ça. Ce que je suis en train de réfléchir, c'est est-ce que je ramène du coup tous les poissons là, autres que poissons globe et poissons. On va essayer de récupérer tous les poissons globe. Parce que tous les autres sont à cuire, hein, c'est du saumon cru et de la morue crue, donc il faudrait que je les mette au four en bas. Bon, je ferai des allers-retours plus tard, hein, voilà, parce que là je suis un peu full inventaire. La flemme d'utiliser une shulker pour ça. Donc voilà, en tout cas je vous ai montré, j'ai aussi récupéré des laisses, ça c'est des marchands itinérants qui ont eu le chic de se coincer à chaque fois là, avec leur lama. Donc eh ben, pour la peine, ils sont passés de vie à trépas, tout simplement. J'ai aussi, comme vous pouvez le voir, avec 12 heures d'AFK pêche, j'étais descendu à 50 en XP, en level d'XP, je suis remonté à 83 quand même. Donc c'est un très bon moyen aussi de vous faire de l'expérience, avec votre, si vous avez une canne à pêche raccommodage, vous pouvez très vite remonter en expérience, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Du coup, hop, aquatique, je suis pas sûr que j'ai la place de mettre tout ce que j'ai pris, c'est ça le problème. Eh ben attendez, on va enlever les morues crues, on va mettre à la place les poissons clowns, hop, voilà, et les poissons globes, bah, par contre j'en ai beaucoup trop, les poissons globes, on va les mettre ailleurs. Ah bah j'ai récupéré du saumon cuit là, ah bah oui c'est la récompense du progrès, suis-je bête. Eh ben ça va me faire une nourriture quand j'aurai fini les côtelettes de porc cuites. Pas de problème. Redstone, hop, on va ranger ce petit bazar là. J'ai récupéré deux étiquettes aussi parce que j'ai pêché quand même normalement. Donc voilà, on va commencer à pouvoir nommer quand même pas mal de choses. Et on en a pas mal en retard. Les 18 crânes de Wither Squelette, hein, j'y suis pas retourné depuis, mais voilà, toujours ça de prix. Hop, il faudrait qu'on se fasse une poubelle automatique aussi pour jeter ce genre de choses là, parce que là j'en ai beaucoup trop, les bottes en cuir. Et puis on va mettre à cuire le poisson, hein, dans notre four automatique. Je vous rappelle qu'ici on a fait une petite salle d'automatisation de cuisson. Alors la nourriture, c'est ici que ça se met. Donc morue crue, saumon cru. Hop, voilà, on met tout ça là. Et c'est parti en cuisson, parce que bah, y a déjà du charbon. Ah, il n'y a pas du charbon en masse. Hein. Il va peut-être falloir en piquer à côté. Il lui en reste que deux. Oh, il lui en reste vraiment pas beaucoup. Il lui en reste vraiment pas beaucoup. Mais bon, ça travaille déjà pour l'instant. On va peut-être réalimenter en charbon quand même. Hein. Charbon, charbon. Hop. Ouais, surtout qu'on a quand même des stacks entiers de charbon. Allez, on va aller répartir un peu tout ça. Faut aussi que je me refasse les accès, là, que je finisse les bords. Il y a du travail ici. Un peu de build quand même. Hop. Alors, pour recharger le charbon, c'est derrière. Voilà. Et on allume ici. Et le truc, c'est que ça recharge jusqu'au bout. Alors, je sais pas si vraiment ils ont besoin, ces fours-là. Ah bah, de toute façon, ça va bloquer. Du coup, est-ce que ça recharge bien? On va regarder vite fait quand même. Ouais, c'est bon. Ça va alimenter. Nickel. On est bien. Allez, du coup, on continue à courir. Et puis, on va aller... attendez, on va prendre le mouton cru qu'on a d'avance. Pour essayer quand même de voir si on peut faire ce progrès-là. C'est dans animaux, normalement, que j'ai laissé ça. 46, il m'en manque pas beaucoup, beaucoup. Pour faire ce deuxième progrès. Donc, on va vite aller voir si on peut aider quelques moutons à passer de vie à trépas. Pour nous donner gentiment leur chair. Et donc, faire ce petit progrès. Et au passage, hop, on continue à manger du gâteau. Et il en reste plus que 4 gâteaux. Donc c'est 6 parts à chaque fois, 48. Hein, on devrait être pas mal. Hein. On vérifie, statistiques, part de gâteau, part de gâteau, part de gâteau. 66, bah oui, plus 48, ça devrait le faire. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, 48, n'importe quoi. 36, ah, ça va peut-être être léger. Ah mais non, il y en a un derrière. Donc ça me fait 5 gâteaux, 5 x 6, 30. Oui, pourquoi 36? Oh là là, j'ai du mal avec les maths là. J'ai du mal. 5 x 6, 30, ça je suis sûr. Donc non, il va m'en manquer. Il va m'en manquer un, hein, je pense. Il faudra que je refasse un petit gâteau. C'est pas grave. On peut se faire un petit gâteau. Hein, un peu d'œuf, un peu de sucre, un peu de lait.
Et c'est tout. Et de blé, pardon. Il faut un peu de blé aussi. Enfin, c'est un peu compliqué les gâteaux quand même. On se demande pourquoi les gens n'en font pas beaucoup, mais c'est un peu complexe. J'ai plus de. J'étais en train de chercher si j'avais encore du blé, mais non, j'en ai plus. Alors par contre, c'est chiant, je vais taper les bébés en même temps. Bon, il faut que j'en laisse au moins deux de toute façon. Allez, hop, on est parti. Hop, hop. Je suis désolé les moutons, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais j'ai besoin de moutons crus. Eh ben c'est, je les ai. Allez hop, on arrête de les tuer. Voilà, pas la peine d'en tuer plus que nécessaire. J'ai largement de quoi faire. 64 moutons crus. Plus qu'à mettre les 64 moutons crus à cuire. Et comme ça, on aura le deuxième progrès, le défi. 64 un stack de chaque nourriture accumulée pour une alimentation variée et copieuse. Voilà, ça c'est fait. Enfin presque. On y est presque. On va juste continuer à courir. Parce que l'avantage de faire tout ça, c'est qu'on mange du gâteau entre deux. Hop. Alors pourquoi il me manque un gâteau sur ce que j'avais prévu? Bah parce que j'en ai cassé un sans faire exprès. Je voulais voir si on pouvait les récupérer pour les mettre sur soi et le trimballer avec moi. Mais non, en fait, une fois qu'ils sont posés, ils sont posés. Il faut les manger là où ils sont. Alors on va voir si lui, il a fini de répartir. Ouais, impeccable. Et mouton cru. Bah on va tout cuire. Hein. On va tout cuire. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc là ça cuit. Hop. Par contre, j'aurais peut-être dû enlever. Ça, voilà, histoire que ce soit le mouton cuit d'abord qui cuise. On va enlever ça aussi. Voilà, on va commencer par le mouton, hein, soyons logiques. Et les morues, ça reviendra après. Voilà, tac, tac, tac. Boum, 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 boum. Là, on est bien. Voilà, bah, c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre. Si ça se trouve, avant la fin de l'épisode, ce sera cuit. Donc, là, on est bien pour ça. Alors, j'ai récupéré aussi, évidemment, hop, de la laine. Ça, c'est le progrès. Non, c'est pas le progrès, c'est en tuant les moutons. Tac, tac, tac. Dents d'hiver. J'ai pas mis les selles-là. Il me semble que j'avais fait un truc pour l'équitation. Selles et armure chevaux. Voilà. Tac. Et les laisses, on peut considérer ça comme du précieux. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Alors, toujours 49 anciens débris. C'est chaud les anciens débris quand même. Enfin, pour avoir les 64 blocs de Nézerite, hein, il va falloir quand même un long, long, long moment. Alors, ok, on est bon pour ça. On continue à courir, donc, hop, on va pouvoir manger du gâteau. Voilà. Ensuite, ici, on est bon. Eh ben, on va peut-être regarder ce qu'on a d'autre comme progrès en cours là. Ici, de la poudre d'eau sur tout ce qui peut être cultivé. Ben, il ne me reste pas grand-chose. Hein. Pousse d'acacia, bambou, betterave, cacao, champignon carmin. Ben, c'est pas mal ça. On peut faire ça. Et on peut faire celui-là. Et celui-là, c'est quoi? Composter chaque chose qui peut être compostée. Oui, alors là, par contre, il m'en faut beaucoup. Je suis loin du compte. Mais par contre, poudre d'eau, ça, on devrait pouvoir le faire. Et ça, c'est quoi? Ah, ben, c'est les fameuses 100 parts de gâteau. Ok, et puis j'avais mis sur mon mur d'autres trucs. Quelle heure est-il? 22h03. On pourrait essayer de. Ouais, mais il faudrait que j'arrive à foutre une armure en diamant à un zombie. Mais pour ça, je pense qu'il faudrait que je fasse un piège pour les avoir. Manger toute soupe suspecte. Tiens, j'en suis où avec celui-là? Ah, mais il est fait! Il est fait! Voir toutes les sortes de soupes suspectes, c'est fait. Mais alors, qu'est-ce qui fait encore là ce progrès-là? C'est pas bien ça. Hop, allez, on l'enlève, un de moins. Terminé. Donc ça, bah, je les ai pas fait. Mais voilà, on est quand même pas mal. Alors on va regarder ce qu'on va pouvoir faire aussi cette semaine. En plus de ceux qui sont en cours. Donc là, on disait celui-là, ça c'est bien en cours. Donc là, on est dans l'onglet agriculture. Dans aventure, j'avais quoi? Ah ben, on pourrait peut-être aller s'occuper quand même d'emmener un notre villageois là au niveau de la jungle. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Un stack de tous les blocs de métier. Ça, je crois que les copains vont m'aider. Oh là, faut que je mette un villageois à la limite de la hauteur du monde. Oh, il faut que j'emmène un villageois tout en haut. Ouais, c'est pas gagné ça, c'est pas gagné du tout. Ah, faut que je trouve d'autres monuments de la mer. Ouais, ça faut que je renomme des mobs. Tous les coffres de butin. Alors ça c'est pas gagné parce qu'il y a les trois dans les bastions. Faut faire plusieurs bastions. Taper un ravageur avec un trident, je croyais l'avoir fait. Tiens, ça bah j'ai essayé mais ça a raté. Obtenir 16 bannières de capitaine. Oh, bah, ça peut se faire ça.
Ouais, ça va, il y a des progrès gérables. Ouais, donc ça faut retourner dans la jungle. Le bébé panda marron, bah, c'est pas gagné non plus. Toujours pas trouvé de taïga. Alors j'ai beaucoup de poudre grâce à l'usine Agast, hein, mise en œuvre par Elf. Donc on va peut-être pouvoir refaire, hors caméra, hein, de l'exploration de cartes. Ça pourrait être pas mal. Du coup. Poudre d'eau sur chaque truc. Qu'est-ce qu'il me manque? J'ai vu pousse d'acacia. Une pousse d'acacia. Une pousse d'acacia. Hop, on va en prendre une. Tweak. Alors, qu'est-ce qu'il manque d'autre? C'était dans quoi ça? C'était dans aventure? Non, c'était dans agriculture. Voilà, on essaye de, hein, vraiment finir là des qui sont. Voilà. Presque fini. Alors, bambou, betterave, cacao. Oh là là, mais en plus, tout ça j'ai. Bambou. Alors, du cacao, hop, j'en ai. Il va me falloir de l'acajou par contre. Du bambou, j'en ai aussi. J'en ai plein. Hop, sur quoi donc je dois mettre encore? Donc, betterave, j'ai dit. Champignon carmin, pousse d'acajou aussi. Ah, alors, pousse d'acajou par contre, ça va être un peu plus compliqué. Hop, j'en ai pas tant que ça. Champignon carmin, hibiscus cornu. Je sais pas si je l'ai fait sur l'un comme sur l'autre. On va prendre les deux, ce sera plus simple. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? La grande fougère. Ah, c'est pas dit que j'en ai encore des grandes fougères. J'ai une fougère tout court. Hop, on va essayer déjà. Sur les lianes, je sais pas si je l'ai fait. Je sais pas si on peut le faire d'ailleurs. Pas du tout. Sur les lianes torteuses et pleureuses, par contre, on peut le faire. Donc, hop, on range celle-là et on va reprendre de la tortueuse et de la pleureuse. Hop, ça va déjà en faire pas mal, ça. Est-ce que je peux les mettre ici? Bah oui, je peux. Donc, hop, voilà. Et est-ce que j'ai de la poudre d'os? Bah, bien sûr que j'ai de la poudre d'os. J'en ai plein. J'en ai plein. Pouf, voilà. Est-ce que je vais arriver à viser celle-là-haut? Ah bah tiens, attendez. Hop, on va monter à celle-ci. Et voilà. Regardez, oh, c'est pas mignon ça. Hein, l'alliance du carmin et du biscornu. Si, c'est pas mignon. Il me faut du bois d'acajou. Hop, on va se poser. Je vais le faire ici. C'est pas très important. Hop. On va les enlever de toute façon de suite. Donc là, on met une calebasse ou une cabosse, je sais plus. J'oublie à chaque fois. Voilà. Je récupère. Poum poum, touc, touc. Voilà. Allez, on récupère ça aussi. Ça sert à rien de le laisser là. Voilà. Pouf pouf pouf. La petite fougère. Ça, c'est pas dit que j'arrive à la poser n'importe où. Le bambou non plus. Hop. Alors, j'en suis où? Du progrès, du coup. Hop. Alors, hautes herbes aquatiques, buissons à baies sucrées. Bah ça, je peux faire aussi. Cornichons de mer, hein, aquatique. Cornichons de mer, j'en ai gardé. Hop, voilà. Et ben, on va ranger l'acajou là. J'en ai plus besoin. Le cacao, c'est pas là. C'est ici que je range. Ça, c'est fait. Donc, les lianes, c'est fait aussi. Hop, hop. Ça, c'est pas fait. C'est pas fait. C'est pas fait. Ok, et ben on va aller faire ça dehors. J'ai un doute sur le bois d'acajou si je vais pouvoir le faire dans un désert. Attendez, 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 attendez là, parce que je vois l'heure qui passe quand même. Allons vérifier. On est juste à côté. Où en est la cuisson? Et ben voilà, attention, les yeux. Paf! Une alimentation gourmande. Et j'ai quoi en récompense? Rien du tout à part un. D'accord. Un. Comment ça s'appelle? Voilà, un trophée. Et ben, c'est cool quand même. On va pas se plaindre, hein? On va pas se plaindre. 5h16. Est-ce que je vais avoir le temps de remonter et de viser un peu de. Je vais peut-être pas remonter, je vais peut-être essayer de le faire plutôt dans la zone hydroponique. Hop. On va au passage manger un petit bout de gâteau. Pouf. Et on continue à pourrir. Ploum, 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 ploum. Bon, ça va être chaud pour faire un autre programme. Et on est à 674. Voilà une semaine qui se déroule bien. Pour l'instant, on n'est pas loin
Il manque plus que 26 progrès avant les 700. Ça progresse quand même vraiment bien. Je suis assez content. Hop, voilà. Ça, c'est fait. On a mis de la poudre d'eau sur des baies sucrées. Tant que j'y suis ici, on va mettre le bambou là. Et on va mettre la fougère juste à côté. Et on va prendre la poudre d'os sur la fougère et sur la grande fougère. Non, ça remarche pas. Ok, alors ça donne quoi? Hop, hop, ça est passé. Donc sur les betteraves aussi, pousse d'acajou, champignons rouges, cornichons de mer, ça faut le faire dans l'eau. Ok, et écoutez, on va pas se compliquer beaucoup la vie, on a de l'eau. Hop, et ben, voilà. Ah, j'arrive pas à cliquer dessus. Ou en tout cas, ça le reproduit pas. Est-ce que ça a compté quand même? Ça a compté quand même. Bon, bah nickel. Haute herbe aquatique, ça j'en ai pas ici. Et pousse d'acajou, tout ça, faudra faire dehors. Et c'est les betteraves ici que je peux faire. Voilà, j'ai des betteraves sur le côté, là. Hop. Voilà, elles sont déjà... Mais on sait jamais. Est-ce que ça a marché quand même? Non, ça a pas marché. Alors, attendez. Hop. On va quand même terminer l'épisode sur une note positive. Avec un truc de fait. Voilà. Et donc ça, normalement, maintenant, les betteraves, c'est fait. Il m'en manque plus que 1, 2, 3, 4, 5. Autres herbes aquatiques, quelle heure est-il? Allez, on déborde encore un tout petit peu. Vous avez l'habitude maintenant. On va juste essayer de sortir vite fait. Pour aller voir s'il y a des hautes herbes qui traînent. Il faudra que je récupère tout ce que je laisse traîner quand je fais ces progrès-là aussi. Parce que là, j'en ai laissé partout. Là, il y a quoi aussi? Là aussi, j'ai laissé traîner. Mais c'est pas grave. Hop. Petit tac. Normalement, j'ai suffisamment éclairé pour plus qu'il y ait de mobs dans le secteur. J'ai quand même bien débordé, là. Bon, allez. Ce sera fait comme ça, on l'aura fait ensemble. Il devait y avoir des herbes aquatiques qui traînent par là. C'est là que je ne vais pas en trouver une seule. Bah tiens. Si, là, voilà. Hop, voilà. Et tac. Impeccable. Et donc là, on doit être bien. Voilà, il va plus me manquer que les mêmes champignons, donc ça on va aller dans le nether, et les deux pousses d'arbres là, donc ça, ça va être vite fait, nickel. Et bien, c'est devant le sphinx, du coup, qu'on va se quitter, et que je vais vous dire à demain, si vous le voulez bien, portez-vous bien, ciao ciao.